Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie. Et non, nous ne nous retrouvons pas sur le troisième épisode de Unravel. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il me manquait des rushs. Donc Anubis va me les envoyer prochainement. Donc on coupe avec du BBS, c'est pas grave. De toute façon, enfin voilà. Unravel, voilà, c'est plus détente. Voilà, ce sont trois épisodes un peu détente. Voilà, que je l'ai casé comme ça. Le troisième épisode va arriver normalement la semaine prochaine. Ne vous en faites pas, j'aurai normalement le temps de tout recevoir. De recevoir les rushs, de les post-commenter et de vous les poster. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Et j'annonce, on a fini le jeu avec Anubis. Donc voilà. Alors, voilà. Alors, déjà, je voulais qu'on se retrouve sur cet écran titre. Qui est juste magnifique. Alors je me suis mis un petit peu de son pour moi, je sais pas si vous l'entendrez, je vais quand même le réduire un petit peu. Mais voilà quoi, ce super écran avec Ichigo en avec son apparence de Last Agent et Rukia avec son badge de capitaine au bras. Avec son brassard de capitaine au bras. Ouais, non, j'adore, avec les couleurs orange et vert derrière, et bleu, pardon, orange et bleu derrière, honnêtement, non, j'adore. Je n'ai toujours pas vu le film live action, alors j'en ai, enfin, comment, j'en parle dans des épisodes qui vont peut-être pas... Oh ? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, d'accord. Les nouveaux personnages de la garde de Milan. Ok, d'accord, bon. J'ai pas le choix, je crois que je vais devoir me mettre à lire les scans. À lire le manga, pardon. À lire le manga. Non, personne ne lit les scans. Oh, j'ai pas envie, clairement, enfin... J'ai pas trop le temps, en fait, c'est ça le problème, c'est que j'aimerais vraiment que l'animé sorte, quoi, de la guerre sanglante de Milan. Ok, bon, j'ai 5 tickets en attente, hop, autant que je les récupère maintenant. Et on va faire une histoire secondaire aujourd'hui, voilà, je voulais, voilà. Mais vu qu'à mon avis l'histoire secondaire va être assez courte, je vous propose de faire le point sur où j'en suis dans le jeu. Et notamment vous montrer quelque chose. Alors, elle n'est pas encore dans mon équipe PVP. D'accord, il n'est même plus dans mon équipe. Hop, alors on va aller dans mes 6 étoiles. Donc je vous laisse en même temps faire pause, voilà, pour voir où j'en suis. Sauf que je crois que je l'ai passé. Zut, j'ai dû la passer. Je l'ai passé, je suis désolé. Vous avez dû la voir. Voilà, bah allez, c'est la première, je l'ai pas vu. Voilà, j'ai eu Dark Rukia et je l'ai maxé. Elle est même déjà équipée en fait. Il fallait que je regarde son attaque. Mais il est fort possible qu'elle remplace mon Ichigo dans ma team PVP. Et honnêtement, elle est magnifique. Voilà, donc j'étais super heureux de l'avoir. Le Ultura des 3 ans, je ne l'ai pas eu. Mais en même temps, c'était un personnage qui m'intéressait très peu, étant donné qu'il était orienté SP et que moi je suis plus un joueur orienté attaque. Donc voilà, donc 646 de base. Je me base toujours sur l'attaque de base hein, pour choisir. Donc 646, est-ce que c'est moins que mon Ichigo? Est-ce que c'est... Ah, c'est moins que mon Ichigo de base. Ah, donc elle reste moins puissante que mon Ichigo, qui est le plus faible de ma team.
Attendez, je regarde juste ça une minute avec vous, hein, comme ça, voilà, on a un petit peu de temps. Ah oui, en effet, elle est... Non, non, même full équipée, elle n'est pas... Elle ne fait pas partie des personnages que j'ai de plus puissants. Mais en tout cas, voilà, hein, mes personnages les plus puissants, ce sont celles de ma team PVP. Bon, voilà. Enfin, bref. D'ailleurs, j'ai toujours Yukio qui est équipé apparemment. Ouais. C'est vrai que j'ai des équipes. Parce que je m'en sers plus. Je m'en servais le temps de la maxer. Et puis Elle est aussi sympa ce personnage-là. C'est le personnage de l'arc hors série avec Amagai. Pour ceux qui se souviennent. Richio, voilà, je l'ai. Je l'ai eu, je crois, dans les échanges de médailles, hein, c'est de mémoire. Voilà, bon, vous avez à peu près voilà où j'en suis. Je me mets en mode rareté. Non, tous. Et les 5 et 6 étoiles. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Je fusionne pas les personnages que j'ai en double. Je préfère les garder. Tiens, j'ai un. Ah oui, c'est vrai, j'ai un. J'ai un nouveau. Ce personnage-là. La version guerre sanglante de Milan de Byakuya. Bah, bref. Bon, ça c'est. Voilà. Bon, ensuite, on va s'attaquer au plus lourd. Voilà, ça fait 7 minutes que je dégraisse. Donc, on va passer quand même à l'histoire secondaire que l'on va faire aujourd'hui. À mon avis, elle va être très courte. C'est. Voilà, c'est Bleach. C'est apparemment le premier tome de Bleach. Qui a été voilà, remis dans le jeu. Donc il doit y en avoir deux ou trois, je crois, même pas plus, pour cette histoire secondaire. Donc je vous propose qu'on la fasse, en fait. Voilà, voici les histoires tissées par les rencontres qui nouent le destin. J'ai pas fait attention à quelle équipe j'avais, mais bon, c'est pas très important. Équipe 2. Ouais, donc c'est ça. Donc j'ai mon. J'ai comment? J'ai la version Frenzy de. Enfin, la version déchaînée de. Urahara. Voilà, qui est la toute dernière qui est sortie. Donc voilà, il est déjà maxé. Je l'ai maxé en 2 jours. Hein. Donc ça a été très vite. Et les mecs en coop qui gueulent parce qu'on met pas forcément des Crystal Link. Les gars, sans Crystal Link, honnêtement, ça se fait, mais. En 2 jours intensifs, ça se fait quoi. Alors, arrêtez. En un week-end, c'était réglé. Ensuite, ma vieille Alibelle, affinité vitesse, que je laissais un peu prendre la poussière, je me suis décidé à la libérer. Donc voilà, elle est en train d'être maxée. Et j'ai une deuxième Soifon que je suis en train de. Alors pour le moment, monter niveau 150, je sais pas si je la maxerai au niveau 200. Je ne sais pas, je ne pense pas. Honnêtement, je pense que je vais plutôt garder. Alors, j'ai tout ce qu'il faut en volonté de Goku, tout ça, mais c'est les larmes qui manquent. Voilà, j'ai l'intention d'économiser un petit peu mes larmes. Il me manque énormément de larmes, instinct et force. Pour le reste, ça va, j'ai du stock. Mais ce sont ces deux types de larmes qui me font terriblement défaut. Donc en ce moment, je les forme un peu en coop. Mais voilà. Il se répète. Oh, c'est la vieille musique. Ok. Good morning. Ichi. Grand frère, le petit déjeuner est prêt. Ok. Il se répète en croisant le soleil et la lune. Alors, je vais juste réduire un petit peu, mais j'adore la musique. Ichigo. Donc c'est Caillou, hein. Regarde un peu ça, le dernier volume de Bad Shield. C'est quoi ça? Quoi? Mais non, quand as-tu regardé
quand tu as regardé le DVD, tu as dit que c'était cool. J'ai oublié. Tu rigoles? Tiens, c'est Battlefield 2. Moi, j'aime bien. Je t'ai rien demandé, Midway Hero. C'est classe, j'adore Stanley Ashford. Je connais pas du tout. Je sais même pas si ça existe en vrai ou si c'est un truc du manga, mais. J'adore Stanley Ashford, celui qui joue Ricky. Ça a l'air vachement détaillé quand même pour. Ne me fais pas rire, Julian, celui qui joue Midley, voilà un vrai acteur. Il paraît qu'il meurt dans le 2. Non, sérieux. Le spoil. Sans cesse, le monde change pour devenir quelque chose de nouveau. Ah, Orihime. Tu rentres, Kurosaki? Oui, j'ai des choses à faire. À plus tard, Inoue. C'était quoi ce zoom? J'ai eu un zoom sur mon écran, je sais pas pourquoi. J'avais jamais vu qu'il faisait un zoom lors de cette attaque. Ah oui, d'accord, ok, ouais, donc c'est vraiment. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment pour. Une chose ne change pas. Mon sentiment d'impuissance. Ah, c'est au moment où il a perdu ses pouvoirs? Jeune homme, tu es venu. Je suis désolé, mais la fillette est partie. Merci. Je peux voir les esprits. Je peux les toucher, leur parler. Mais c'est tout. Ah non, c'est pas où il a perdu les pouvoirs, c'est vraiment au tout début. Pourquoi ils disparaissent? Je ne sais pas pourquoi. Parfois, il ne reste que du sang que je suis le seul à voir et une vague souffrance. Et peu importe ma force, je ne peux pas les protéger. On n'y peut rien. Il se répète. Si le destin est une roue, alors nous sommes le sable dans ses rouages. Nous sommes impuissants. Nous voulons être forts. Si nous ne pouvons pas enlacer, alors nous voulons brandir un sabre. Hey chat, tu rentres? Le pouvoir de briser le cours du destin ressemble à un sabre qu'on abat. C'est assez poétique, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, les petites récompenses pour trop faire rien. Les camps, je suis quand même à 53 millions, hein. Je dis rien, mais ce serait génial de pouvoir transformer ces camps en orbes. Ça serait. Un truc du génial. Parce que là, 50 millions. Voilà quoi, je les dépenserai jamais, les mecs. Je suis réassigné. Mais non, ce n'est rien de si grave qu'une mutation. Tu es envoyé dans le monde des humains. Tu es allé avec moi en soutien peu après ton arrivée chez nous. Tu y es allé. Ah, voilà. Tu te rappelles, non? Ah oui, c'est le prequel. C'est ça, c'était. Il y avait un épisode prequel. En fait, ça reprend ça, c'est ça? Tu as vu ça? Ça fait longtemps, je sais qu'il était sorti en événement, cette histoire secondaire, mais ça faisait un bout de temps que je l'ai pas vu, c'est pour ça. Je crois que c'était l'année précédente, je crois que c'était le thème de l'anniversaire numéro 2 d'ailleurs, mais bon. C'est un si mauvais souvenir qu'elle l'a effacé de sa mémoire, pas vrai, Rukia? Ferme-la, va voir dans le jardin si j'y suis. Tu sauveras Kura Kura, une zone d'un risque spirituel. Avec tes compétences, ce sera une mission facile.
Capitaine Nuskitake, vous devriez pas vous lever. Je me sens mieux aujourd'hui. Je me suis dit que tu serais angoissé par cette première mission en solo. Je suis venu te dire au revoir. Je vous remercie. Pas de quoi t'incliner. Tu as prévenu Byakuya? Non, pas encore. Mais il me dira sans doute de ne pas le déranger pour une affaire aussi triviale. Donc je pense partir sans lui en parler. Je vois. Je comprends. Fais ce qui te semble être le mieux. Ouais, à l'époque, Byakuya était encore super froid. J'irai lui dire à ta place, parle, esprit tranquille. C'est vrai que Byakuya, c'est un mec froid. Déjà, au tout début du manga, c'est le mec, il est glacial, quoi. Même vis-à-vis de sa propre sœur, quoi. Enfin, même si c'est sa belle-sœur. Enfin, ouais, c'est sa demi-sœur. Disons que même à la fin du manga, il est pas du genre à la prendre dans ses bras, quoi. À être amical comme Ichigo peut l'être avec ses sœurs, quoi. Il est très très froid, Byakuya, mine de rien. Et même si ça s'assouplit un petit peu au fur et à mesure du manga, honnêtement, c'est quelque chose de particulier, quoi. J'irai dire à ta place, par l'esprit tranquille, merci. D'accord, ok, en fait à chaque fois il y aura que deux Shinigami ou deux Holo à défoncer, puis c'est tout, quoi. Renji Abarai, le 6e lieutenant de la 11e division, est nommé vice-capitaine de la 6e division. Félicitations, Renji. Merci, je veux dire. C'est un honneur pour moi, vice-capitaine Inamori. Arrête, tu en fais trop. C'est bien, non? Maintenant, tu es plus proche de Byakuya Kuchiki, Ikaku. Tu ne crois pas qu'il serait temps de reprendre contact avec Rukia? Même si elle est devenue une noble, tu es presque arrivé à son niveau. Ça fait 40 ans, c'est le bon moment pour renouer votre relation. Et tu devrais faire vite. Rukia part ce soir dans le monde des humains pour une mission d'un mois. Mince, dépêche-toi, Renji. Non, ma nomination ne sera pas effective avant un mois. Ça lui fera une surprise, je lui annoncerai mon nouveau poste à son retour. Il se répète, si le destin est une roue, nous ne pouvons qu'avoir confiance en l'infaillibilité de ses engrenages et suivre là où son cours nous mène. Ainsi, le sabre fend l'air. D'accord, un Ichigo affinité vitesse. Je ne sais pas si je l'ai déjà. Et ben voilà, je vous avais dit que ce serait court, mais en fait en même temps c'est normal. Là voilà, on a le prequel et en fait on la suite de l'histoire on la connaît. Comment Rukia fend des. Enfin voilà, tue des holos. À la Akurakura. Et Karakura, pardon. Et alors, attendez, juste cet Ichigo. Ouais, là, il était déjà maxé, donc. Donc voilà. Donc, ça sert à rien. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, cet épisode aura été rapide, 20 minutes. Si, juste un point. Alors, je ne sais pas. Je voudrais bien vous montrer un truc, mais je sais pas si en fait. En fait, j'ai tourné 5 autres épisodes un peu particuliers de BBS. Mais je les ai pas encore diffusés. Et je sais pas si ça vaut le coup de les diffuser en réalité.
En fait, ça concerne les quêtes Saikaimon. Mais je trouve ces épisodes d'une qualité un peu médiocre, pour être franc. Et honnêtement, je sais pas si ça vaut le coup de les publier. Sachant que ce serait publié dans une playlist à part, hein, ça serait vraiment quelque chose à part des BBS. Ça serait pas. Voilà quoi, ce serait vraiment les quêtes Saikaimon mis dans une playlist à part sur YouTube, sur ma chaîne YouTube quoi. Oh, je vais laisser ma Neliel 4 étoiles. Je trouve magnifique cette carte. Hop, voilà. Parce que lui, ce sera mon prochain personnage 6 étoiles que je vais maxer. Enfin, même s'il a déjà été maxé une fois, mais. Mais voilà, je le complète. Bon, ben voilà, vous avez un petit peu, vous savez un peu où j'en suis. Cet épisode aura été très court, mais voilà, je voulais faire cette quête secondaire. Je sais pas ce qu'on peut voir d'autre. Est-ce que si on... Attendez, est-ce que j'ai fait mon tirage de loterie hier? J'ai un doute. Eh non, je l'ai pas fait. Bah écoutez, on va faire un tirage de loterie ensemble, on va bien voir ce que ça donne. Non. Non, 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 non. Donc c'est mort. Voilà, bon, je suis embêté un petit peu, mais on peut-être voir, je sais pas, faire quelque chose. Voilà, bon, le Lulcura, voilà, il est encore là jusqu'au 31. Bon, bah, vous, au moment où vous aurez cette vidéo, vous, ce sera fini, mais moi, voilà, je. Après, il y a les solos. Voilà, le dernier jour, je tenterai les solos, mais je pense pas que je l'aurai. Puis voilà, quoi. Bah, petit point, voilà, on va vraiment faire le point sur mon compte, voir un petit peu où j'en suis. On va voir dans les Brave Battle par exemple. Voilà, actuellement, bon bah voilà, je suis 5e lieutenant. Je n'arrive pas à dépasser ce stade. Je suis toujours dans la zone de maintien de 5e lieutenant. Avant, j'oscillais entre 5e et 6e lieutenant. Là, j'arrive à maintenir dans la zone de maintien. Donc, tous les soirs, voilà, je fais mes 10 combats. Voilà. La semaine prochaine, normalement, je prendrai une nouvelle, enfin un nouveau personnage. Il me semble que c'est Isago Maru que je n'ai jamais pris. Donc voilà, je prendrai Isago Maru. Puis un nouveau personnage devrait apparaître également prochainement. Mais voilà, Isago Maru, il risque de disparaître prochainement. Donc il me le faut. Enfin voilà, il faut que je le prenne avant qu'il disparaisse. Les autres personnages, je les ai tous, Ururu, Pêché, Guérico, Yoruichi, je les ai tous. Après les 4 étoiles spéciaux, non, je les prends pas parce que pour 35 orbes, honnêtement, ça vaut pas le coup de dépenser 400 médailles. Niveau médaille anniversaire, il m'en manque une pour avoir encore un personnage 5 étoiles. Et niveau, ben voilà, petit spoil pour les médailles Saikaimon, mais je n'ai que 70 médailles et donc je n'ai pas de quoi me prendre un Aizen, c'est ce que je vise. Donc voilà, bon, petit spoil sur les médailles Saikaimon, pour vous donner une idée de où j'ai dû m'arrêter. Je pense quand même que je vais publier les épisodes prochainement, mais enfin voilà. On va voir un petit peu comment ça s'organise. Quoi qu'il en soit, bon bah désolé, cet épisode ne durera pas 1 heure, hein, comme tous les autres. Si, peut-être, voilà, si, on va parler de mon groupe. Alors c'est pas mon groupe, étant donné que c'est pas moi qui suis le chef de ce groupe. Je suis actuellement chez le groupe Frein des Fers, qui est un groupe... honnêtement, voilà, bon, je vais vous montrer, hop, le classement par exemple pour les quêtes de groupe. En fait, je suis le premier, mais on est très peu d'actifs en réalité. C'est ça le problème, c'est que y a quasiment personne dans le groupe qui les font, quoi. Donc, alors que c'est ridicule parce que on est à chaque fois que vous le faites, voilà, vous avez 3 quêtes en plus à faire chaque jour, et ces quêtes-là vous ramènent des cadeaux, même si ce n'est qu'une orbe.
Une arme, c'est toujours bon à prendre. Hier, j'ai gagné une clé d'ouverture quand même. Une clé d'ouverture, ça vous permet d'économiser 600 orbes ou alors deux personnages de. Deux ou trois personnages de. D'avènement. Donc, ça vaut le coup. Moi, j'ai réussi à avoir des clés d'ouverture avec ces quatre-là. Ce qui est l'élément qui coûte le plus cher dans Bleach Brave Soul jusqu'à présent. Donc voilà, après bon voilà, des camps de suite, des gemmes et des larmes, on en obtient avec ça, des ogyoku, j'en ai gagné aussi pas mal avec ces quêtes coop. Honnêtement, ça vaut le coup de les faire. Enfin, ces quêtes d'équipe, pardon. Ces quêtes d'équipe-là, honnêtement, faites-les. Allez-y, quoi, foncez. Et puis faites monter vos groupes, quoi. Moi, En plus, le chef de groupe, il est actif sur le jeu, si on regarde les membres. Voilà, je poussais un petit peu mon coup de gueule là-dessus, mais voilà, donc notre chef de groupe s'appelle Madoc. Il s'est connecté il y a 18h. Le problème, c'est que si on descend dans les. Voilà, on a des inactifs depuis 64 jours, 94 jours. Voilà, on a des inactifs. Faudrait les virer. Faudrait les virer, qu'on ait des nouveaux joueurs qui viennent se mettre. Qui viennent se caser et remplacer les inactifs, parce que là on a beaucoup trop d'inactifs dans ce groupe. Et le pire, c'est que dans le francophone, à ma connaissance, bah, c'est le moins pire des groupes. Alors, si vous avez l'intention de monter un groupe français, mais vraiment où vous êtes actif et où vous virez les inactifs, faites-moi signe. Faites-moi signe parce que je suis même prêt à quitter ce groupe où franchement voilà ça me frustre de ne pas pouvoir monter dans le classement de groupe où je suis quasiment le seul à faire le taf pour les quêtes de groupe. Honnêtement, ça m'énerve. Pendant un temps, on a eu un. Enfin, j'ai eu un autre un coéquipier. Enfin, quelque part, oui, il y avait un autre membre de groupe comme moi qui montait très vite. On montait un petit peu en compétition tous les deux pour monter dans le classement. Puis il en a eu marre de voir que bah, on était que deux à faire le taf, donc il s'est barré. Ce qui fait que je me retrouve tout seul à faire le taf dans ce groupe. Enfin voilà, c'est frustrant quoi. On reste en lixé alors que honnêtement, si tout le monde les faisait, on pourrait monter très vite quoi. Donc c'est un peu chiant quoi. Bah voilà, ça c'est mon petit coup de gueule sur les groupes, honnêtement, enfin sur le groupe dans lequel je suis, et j'en ai essayé plusieurs. Hein. J'ai essayé plusieurs fois des groupes en restant une semaine à chaque fois dans chaque groupe, et c'est celui-là le moins pire. Donc, en français. Après, j'ai pas été voir dans les anglophones parce qu'il y en a beaucoup de groupes. Voilà, ensuite, bon, niveau grade, voilà, il m'en manque encore quelques-uns, faudrait vraiment que je m'y attelle. Ouais, voilà, en fait, il me faudrait des potions de Link, mais j'ai pas suffisamment de potions de Link. Donc, c'est mort. Voilà, bon, bah, sur ce, bah, je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce qui manque? Non, c'est tout. Non, je pense que c'est tout. Donc, voilà, bah sur ce, bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il aura duré une demi-heure quand même. Et puis bah sur ce, je vous dis à bientôt.